à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Max, on va tenter une expérience culinaire. Ouais. Culinaire. On l'a jamais fait avant. Non, c'est un truc nouveau. Du coup, si on va direct aller dans le vif du sujet, si vous demandez ce qu'on va faire, ça n'aura pas avec ça. Bon, on voit pas, mais c'est de la poudre de maca. C'est une poudre extraite d'une plante, hyper bon pour le sport en règle générale. Donc c'est très bon pendant le sport, un peu avant, mais faut pour après, c'est pas fou. Ok, Puma. Du coup, ce qu'on va tenter, c'est faire des cookies et mélanger de la poudre de maca avec les cookies pour que ça donne une sorte de barre énergétique. C'est carré. C'est carré. Du coup, on va y aller direct. Hein. Même chose pour faire des cookies. En général, œufs, farine, sucre, chocolat, etc. Et on va commencer à cuisiner. Hein. Allez, c'est parti. Du coup, alors pour les cookies, il nous faut de la levure chimique. T'as que ça? Ok. Non, je suis pas un chien. Voilà, un teaspoon. En gros, on va utiliser des instruments américains, tu vois. Ça, c'est une tablespoon, ça c'est gros, ça c'est une demi-teaspoon. On leur mettra la recette en gras. Seulement si ça marche bien. Oui, seulement si ça marche. On mettra là pour l'instant, on fait avec les instruments américains parce que c'était plus facile de diviser. Enfin, de faire les bonnes quantités qu'il nous fallait. Et du coup. Ouais, c'est bon. Ça, c'est un beau départ. Alors, une petite pincée de sel. Hein. Hop. Parce que la levure chimique, c'est déjà assez salé. Tiens, tu peux me ranger ça. Moi. Tiens, et tu ranges ça aussi. On va ranger au fur et à mesure. Il nous faut du beurre fondu. 1 cup of butter. Ça fait 100 moins plutôt. Putain, ça va. Non, j'ai complètement oublié de sortir les couteaux. C'est une cuillère aussi. Non, bah non, pas une cuillère. Oh. Non, je vais. Bah non. On va mettre. Il y a même le carré ou. On va compter avec le carré, ouais. Ah non, le chocolat, c'est comme ça. Ah, okay. Deux carrés. Ça, c'est au bout de tout. La farine. De toute façon, la préparation, c'est pas plus long. Non. Alors la farine, il nous faut 2 cups, donc 4 de ça. Le chocolat, c'est pas marré. Le quoi? Le chocolat. Quoi? Ça va jamais prendre. Ah si? C'est bon. Ah bah, t'es enculé. Boum. Alors, on va avoir le beurre. Du sucre. La soupe. 3 quarts. Ta gueule. Putain, il faut beaucoup de sucre dans ces merdes. Il en faut 3 de ça. 2 œufs. Hop. Tu fais un œuf, je fais un œuf. La tienne. Mmh. Et maintenant, on met ça dans le compost. Hein, Zachary? Moi, j'ai un plus gros compost. Et j'ai des petits sacs biodégradables. Ça a fondu? Ça a cramé. Pas fait pour le micro. T'as cuit. T'es nul en cuisine. Pourquoi tu mets de l'eau? Ouais, je suis con. Et alors, t'as un problème contre les cons? Ouais, ils sont cons. Mais ouais. Ben ouais, logique. Bon, si ça explose, c'est pas mon faux. Ça va péter. Tout coupes au fl... Nestlé et bon. Oh putain. Va y avoir beaucoup de chocolat. C'est bon. Pourquoi on en enlève un peu hein? Mais non. Non. Adapté. Max, quoi? Le mineur tu l'as mis pendant 9 heures. C'est pas 9 minutes. Du coup, il est à 5 minutes. Ok. Ah putain, va tarder. Je... Ouais. Chaud. Pas très chaud. Cuillère. Cuillère. Attends, tu l'as pas léché pendant genre 2 minutes? Non. Là, tu me diras. Non, je jure, c'est chaud. On peut passer un truc pour tenir un truc parce que c'est chaud.
Oh, je ne comprends pas. Ah, c'est mieux. Passons à l'ingrédient suprême. 30 balles le paquet, c'est cher, hein, ça fait plus le cul. Donc, les glucides par gramme. Si j'en trouve. Y'a pas. Les glucides, 53,3 grammes pour 100 grammes. Le corps humain peut pas consommer plus de 50 grammes de glucides par heure à peu près. Du environ. Coup, oui. Environ. Parce que ça, après quand on fait une activité physique, déjà c'est ça. C'est de l'enduit le truc. Ah ouais. C'est pourquoi je pense que j'ai foutu, j'ai blindé le chocolat. Ça manque de lait. Non mais il faut du lait, tu vois bien que là ça fait juste de la poudre. Oui, ça fait de la poudre. Va me chercher du lait. T'es sûr qu'il faut du lait? Putain, mais sérieusement, t'as vu la gueule du truc, c'est qu'il faut du lait. Et bah, c'est quoi, on appelle ma mère tout de suite. Dis Siri. Appelle maman. Jugez pas. Elle sait mieux que nous tous. Beaucoup de beurre et cookies. Ah, bah, il manque du beurre. Hop, 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 tu me fais fondre une demi-plaquette de beurre. Allez. Non, mais là, on est en train de faire la pâte encore. Oh putain. Mets de l'huile pour pas que le beurre il crame. J'adore, j'ai ma grand-mère, elle m'envoie c'est quoi une expérience, elle me dit ça se mange normalement. Là, ça a bien pris sa gueule de cookie. Bon allez, tentez juste de goûter comme ça. On dirait une merde. On voit ça. Soit plus au chocolat ou de la merde. On dirait réellement des merdes. Oh, on va faire des photos bien sûr au fur et à mesure. Mais putain, on dirait ce que je lâche quand j'ai pas fini de manger. Oh salope. Les potés caca de Bamuka. Allez au four les cocos. Est-ce qu'il y aura finalement un truc qui aura marché à la perfection? Donc 20 minutes, 20 minutes. Le four au fourneau 180 degrés à 10 pendant 10 minutes à peu près. Vous avez compris les cocos? C'est cool. Ah, c'est que moi qui type. Je suis le type. On moi, dirait vraiment des merdes. Ça va être qu'on des belles merdes. C'est une très belle merde. Tu veux... Ça filmé, j'espère. Ouais. C'est bon. Donc maintenant que tout a fini de cuire, on peut enfin déguster nos créations. C'est pas sec. Ouais. Si, c'est bon. Non, mais j'ai même goûté, c'est bon. Oui, mais si on bouffe tout maintenant. Non, mais on mange, on goûte. Personnellement, je suis satisfait avec ce qu'on a fait. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est pas bon. Ouais, on arrête. Ça marche assez bien. On mettra la recette avec les instruments américains, bien sûr, pour vous chercher. En description, ma gueule. En description. Ou autre, ce qu'on fera, on fera même le. On mettra en lien le Google Doc qu'on a fait. Ce ouais, sera. Pas compris. C'est plus rapide, plus facile, mieux détaillé. Du coup, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, hein, ça nous ferait plaisir. Et si vous voulez tenter, vous voulez voir qu'on tente plus d'expériences culinaires comme ça, dites-le dans les commentaires. On tentera. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo.